Monsieur Champion, le porte-parole du très grand conseil mondial des clowns, à nos côtés, pour dans quelques instants, l'arrivée des clowns. Chers amis, dans quelques instants, donc, livraison de clowns venus du monde entier, autant le dire nettement. Nous avons de l'italien, nous avons du luxembourgeois, nous avons du chilien, nous avons du mexicain, nous avons du russe, nous avons du japonais, nous avons à peu près tous les continents représentés pour l'arrivée ici des clowns du très grand conseil mondial des clowns. Des clowns qui vont venir du monde entier. Alors, ces clowns-là seront là à vos côtés durant cette soirée, une soirée de réjouissance, une soirée de bombance. Et puis, évidemment, durant toutes ces journées, les clowns vont travailler. Vous le savez, le monde va bien mal. Oh là là, comme le monde va mal, hein. Et on ne parle pas uniquement de la France, le reste du monde ne va pas très bien non plus. Eh bien, les clowns vont tâcher de résoudre tous les problèmes qui se posent au monde. Donc, disais-je, les clowns vont faire leur entrée. Et ils prendront l'assaut. Cette caserne Guéblin, comme je l'expliquais à l'instant, dès lors que nous aurons entendu le canon retentissant sous les cieux cérules de ces deux Sèvres, et dès lors, la soirée sera lancée et chacun pourra se ruer dans le sillage des clowns pour assister aux divers spectacles. Accompagné par les jeunes et grands solistes de l'Orchestre National de Poitou-Charentes, placé sous la baguette de son maestro, ils accompagneront donc l'entrée des clowns dans cette caserne du Guéclin. Évidemment, je comprends l'enthousiasme de cette population niortaise qui a envie de crier comme un slam « Vive le très grand conseil mondial des clowns !» On attend.